pensado critico episodi 26 a cum antropusufio weicem dab shadow ombre. Adieu shadow. Adieu. Introduction abans a quest episodi en compagnie de Shadow Ombre. Lo nostre invitat que s'va presentat un nuba o pas presentat per contro que va torna a presentar so okay, l'antropozofio que okay, lo subjecte qui s'interessa o ei. Alavetz, un filosof que okay, qualcu qui aimo la sabieso e qui esaio de la tenie. Un antropologo o un antropologo que okay, io persona qui studio scientificomen l'usumas. Et logiquement, donc, que va estar u antropozof, ou u antropozof, allez, gagnat, que u membre, ou u membro du secto, l'antropozofio, la societat antropozofico. Bon, s'as gagnat, que dirieu per mou, que as deja escutat pensado critico, en particular la sasu u et l'episodi S, como Steiner et los catars, ou dirieu per mou, que coneixes per autes biais l'antropozofio, que comença de sen parlar, sus tout despuix la nominació como ministro de la cultura de Françoise Nissen. La societat antropozofico que estu fundada en 1913 per Rudolf Steiner et donc antropozofos et antropozofs que n'y a habut tout u hech pendant nous segle bin et a queste debut de segle bin teu et que s'bam interessat ab shado a u en particula qui s'apero deudat ruche. Io persona qui donc en mei desta famoso per la sua adesiu a las thesis de Rudolf Steiner e ad autos thesis occultistos, estut abe u dus pialas au segle bin, dus estudis catars. Adios certo renabido entre Bergeto de l'interes en ta aquestes heretics de l'edat mieiano du Lengodoc. L'entrevisto entre Shadow Ombre e iu che stu udrin lungheto che dure uore car en tut e duncos che la va occupa en dus wei Shadow che sva parla dell'antropozofio e en particula de Steiner e de quin se funde l'antropozofio e dens dios semanos enta l'emissiu secumo cataristos che sparlara mei precisomen de deudat ruche e dusu eretadie e de quin las tesis steinerianos bam dise e la l'istorio io certo visiu de la memoria ou de l'istorio du catarisme se sun mesclados ai momentat che deschei dunc dab Shadow Ombre. Donc Shadow, tu viens de nous saluer en occitan là. On va faire le reste de l'interview en français par contre, à moins que tu parles occitan carrément. Je parle un peu le provençal parce que je suis originaire d'Avignon. Oh. Je suis très attaché okay. à ma région, à la culture, à mon patrimoine. Oh. Et je suis très heureux du coup d'être interviewé par une chaîne occitane, une radio occitane pardon. Ça me fait vraiment plaisir. Donc à quoi que va passer en gascogne? Et normalement, que devrait passer, tu avais dans le Lengodoc, c'est Radio País, Radio Occitanio et Radio Lengodoc. Et pas un carro préviste de passer à cause de la radio en Provençal, mais belle ou quatre farei. Voilà. Voilà. Et du coup, dans une première partie, je vais te demander de te présenter un petit peu. Et puis ensuite, on va donc Deodat Rocher pour l'introduire directement. Peut-être que des auditeurs de Radio Occitane le connaissent surtout comme historien du catharisme. Il faut savoir que c'était aussi quelqu'un qui était lié à la société anthroposophique, qui était un anthroposophe. Et donc, on va parler aussi de ça, de ses liens et avec le catharisme et avec l'anthroposophie. Et c'est pour ça que je t'ai invité en fait. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Je t'en prie. Et je pensais te poser comme question, t'habites dans le Vaucluse, donc t'es un Occitan aussi, c'est super, tu as déjà répondu. Donc tu as une chaîne où il y a pas mal de vidéos, y compris des vidéos très longues, t'es actif sur YouTube, dans tes vidéos, en fait, tu dénonces pas mal comment tu appellerais ce que tu dénonces, en fait?
Je dénonce, c'est un grand mot. Je parle des néo-spiritualités d'un point de vue critique. Les néo-spiritualités, ce sont les spiritualités qui sont nées à partir du 19e siècle, oui, enfin, au milieu du 19e siècle. Ce sont en général des occultismes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on est dans une période particulière, puisqu'on rentre dans un système politique homogénéisant qu'est la République. Donc, avec un rejet du catholicisme. Et à partir de là, il va y avoir tout un tas de nouvelles spiritualités. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, qui est évidente, c'est l'avancée scientifique et la croyance dans le progrès, le progressisme, notamment le saint-simonisme, qui met en avant la foi dans le progrès. Pour être heureux, il faut être dans le confort, il faut gagner de l'argent et être en bonne santé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a énormément de mouvements, mais vraiment beaucoup, qui vont se créer avec un mélange de récupération syncrétique d'anciennes traditions, mal comprises souvent, et avec la science moderne. Et j'aime étudier ce contexte-là, cette histoire-là, parce que ça parle beaucoup de tout ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de ce qu'on connaît, qu'on appelle plutôt le New Age, en fait. Exactement, ouais, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mouvements donc, qui ont été créés au 19e siècle pour la plupart et qui sont des nouvelles spiritualités au 19e siècle sont parfois encore actifs, quoi. Oui, tout. Non, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. En fait, il y a quelques sociétés qui depuis sont actives. C'est le cas de la société anthroposophique ou de la société théosophique ou même du spiritisme d'Allan Kardec, même si c'est beaucoup plus libre. En fait, c'est plus des électrons libres. Mais il y a une évolution qui s'est faite dans le temps. Il y a une forme qui change. Mais tout ce qu'on entend dans le New Age, on le retrouve, ce ne sont que des réappropriations de ce qui a été créé à cette époque-là. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'étudier l'histoire, les doctrines, de les comparer, ces doctrines-là, ces nouvelles doctrines, aux anciennes doctrines auxquelles elles se réfèrent. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de bêtises. Je pense notamment aux anciennes traditions, parce que c'est une époque aussi où il y a l'orientalisme qui commence à émerger. Et on s'intéresse aux traditions orientales, aux religions. C'est pas un bon mot pour ce sujet-là, mais aux traditions hindoues, bouddhistes, etc., chamaniques. Tout ça pour dire quoi? Oui, donc je les compare à ces traditions, même aux traditions disparues, comme l'hermétisme, pour montrer que, en fait, il n'y a aucun rapport, que tout ça, ce sont des inventions, et que ce qui se passe en ce moment est lié à cette époque. Et j'essaye de comprendre pourquoi ça arrive. Est-ce qu'on veut que ça arrive? Est-ce que c'est du pur hasard? Est-ce qu'il y a des enjeux? Etc. etc. Ok, bon bah, j'encourage donc les gens à taper Shadow Ombre, hein, Shadow comme l'ombre en anglais et Ombre comme Shadow en français sur YouTube parce que donc il y a voilà c'est des vidéos qu'on peut écouter en faisant autre chose. Enfin des fois faut s'accrocher quand même pour comprendre, mais vu qu'il y a quasiment que du son, c'est plus à écouter qu'à regarder. Et donc tu parles de trucs super intéressants, c'est assez bien sourcé, hein, tu cites des sources, tu cites de comment tu sais ce que tu sais, et t'as aussi, y a aussi un petit côté, y a un côté franc-parler, y a un côté un peu presque rageux parfois dans ce que tu fais, hein, et t'as même eu des problèmes, non? Bon, en fait, il y a disons qu'il y a des personnes qui diffusent un New Age qui sont très condescendantes et qui sont énervantes parce en fait, elles touchent beaucoup de personnes qui ont des croyances. Bon, alors, moi, je respecte toutes les croyances, même voilà, celles qui sont nouvelles, récentes. On peut organiser un mouvement religieux autour du cactus sur le balcon et se relayer tous les jours pour y prier. À plusieurs, ça ne me dérange pas, chacun ça. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que derrière tout ça, il y a une mentalité qui s'installe. Et parfois, le pire, c'est quand ça touche les enfants, la santé, l'argent, ce genre de choses. Et quand ça devient vraiment ce qu'on appelle les dérives sectaires. Là, ça m'ennuie beaucoup. Ouais. Par rapport aux sources, tu parlais de mes sources. Effectivement,
Moi, je suis pas un débunker. D'ailleurs, je fais pas partie du mouvement qui se dit sceptique. Je Tout à fait. le respecte, mais moi, je suis pas dans le. Je suis pas dans l'explication scientifique des pseudosciences, par exemple. J'en parle quand ça permet d'illustrer mon propos, mais c'est pas l'essentiel. Moi, je suis vraiment dans l'histoire, la doctrine, le comparatif avec les anciennes traditions. Et je source mon travail parce que j'ai une bibliothèque à la fois papier et numérique d'à peu près 2000 ouvrages anciens, Ah ouais. des revues spécialisées. Je filme beaucoup, je suis bibliothécaire de métier, donc Ah. j'ai des relais avec des bibliothèques privées, publiques, qui ont des archives intéressantes. Et c'est de là que viennent la plupart de mes sources. Alors, je ne les ai pas seulement dans ma bibliothèque, je les lis beaucoup aussi. Et ce que je fais souvent aussi, c'est que je n'étudie pas forcément, pas seulement en tout cas, des ouvrages d'historiens, je vais carrément à la source. Je lis les textes d'époque. OK. Ouais, bon, bah super, hein, ça fait donc, bah ça fait une super chaîne YouTube, voilà, bravo. Et Merci. du coup, bah on en vient à la deuxième partie sur l'anthroposophie. Et bah, est-ce que tu peux nous en parler peut-être, nous expliquer ce que c'est en 5-10 minutes, qu'on ait le temps de parler un peu de Déodat Rocher après? Oui, ben c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé vraiment à parler de néo-spiritualité sur ma chaîne YouTube. C'est quand Madame Nyssen, Françoise Nyssen, est devenue ministre de la Culture sous le premier gouvernement Édouard Philippe, sous la présidence de Emmanuel Macron. Et cette dame est une anthroposophe qui a créé une école qui s'appelle le Domaine du Possible à Arles et qui est une école anthroposophique cachée. Elle n'a pas le statut Steiner-Waldorf, mais c'est quand même une école anthroposophique. Et ça m'a beaucoup énervé. Ma première vidéo sur le sujet des néo-spiritualités, c'était sur Françoise Nyssen, l'anthroposophie. Qu'est-ce que l'anthroposophie? C'est, alors, il ne la présente pas comme ça, mais quand on l'étudie sérieusement, c'est une religion qui ne dit pas son nom. C'est une religion qui a été inventée en 1913 par Rudolf Steiner, un austro-hongrois, on pourrait dire, puisque c'était l'Empire austro-hongrois à l'époque. Il est né en Croatie. C'était un occultiste. Alors ça, c'est important de le comprendre aussi. Parce que souvent les gens ne font pas la différence entre l'ésotérisme, le mysticisme, l'occultisme. Ah, j'avoue que moi non plus, là, je veux bien que tu nous expliques. Et si ces mots existent et qu'ils sont différents, c'est qu'ils recouvrent des enjeux qui sont différents. Sauf qu'aujourd'hui, pour plusieurs raisons, le mot ésotérisme, par exemple, c'est un fourre-tout où on utilise quand on veut changer de mot l'occultisme. Alors tout ça a lieu est lié au spirituel. À ce qui est au-delà du physique, au métaphysique, donc à plus ou moins à ce qu'on ne voit pas. Et l'ésotérisme, en général, c'est une voie intérieure, initiatique, c'est-à-dire qu'il y a un maître et un disciple, c'est caché, c'est restreint à une élite, et ça se passe dans le cadre de traditions ou de religions. Par exemple, chez les juifs, il y a un ésotérisme, cet ésotérisme s'appelle la kabbale. Chez les musulmans, ça s'appelle le soufisme. Chez les chrétiens, ça peut être le néo-kabbalisme ou l'hermétisme, par exemple. Voilà, ça c'est l'ésotérisme. Le mysticisme, c'est seulement une pratique chrétienne. C'est que chez les chrétiens qu'on le retrouve. C'est pour ça que des fois, quand on parle d'un grand hindou, d'un grand bouddhiste ou d'un grand musulman, qu'on l'appelle mystique, et c'est une erreur des historiens d'ailleurs aussi, actuelle, c'est faux, c'est un non-sens. Le mysticisme, c'est une quête ascétique d'avoir un rapport direct avec Dieu qui passe par une passion, par une transe. C'est comme l'image de cette fameuse sculpture de Sainte Thérèse d'Avila qui, en pâmoison, on ne sait pas si elle souffre ou si elle est carrément en jouissance. En fait, c'est ça, c'est juste une lumière qui te tombe dessus. Le mysticisme, c'est ça. Et tu te mets dans des situations d'ascétisme, de prière, etc. pour ça. Mais ça n'a pas aucun rapport avec l'ésotérisme, qui est une voie active et qui se passe de maître à disciple avec un guide, etc. Le mysticisme, c'est une voie passive. Et enfin, l'occultisme, c'est un mouvement qui est né strictement au 19e siècle, pas avant, et uniquement en Occident, pas ailleurs. L'occultisme, c'est vraiment un mouvement qui est né justement par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, à la mort de Dieu au 19e siècle et à l'avancée des sciences. On a décidé de faire un syncrétisme de tout ce qui était plus ou moins mystérieux dans les anciennes traditions, et de l'expliquer scientifiquement. Ça a commencé par le spiritisme, c'est-à-dire qu'on pouvait parler avec les esprits des morts par des biais
plus ou moins scientifiques, expliquées scientifiquement par des biais matériels. Ça pouvait être, on a vu la photo où on photographiait des gens avec des esprits derrière. Ça pouvait passer par le son. À un moment donné, ça passait par l'électricité, par la télé, etc., etc. L'ésotérisme, par exemple, se moque complètement d'être prouvé par la science. L'occultisme veut absolument se prouver par la science. D'accord, donc C'est l'occultisme, hyper c'est un peu, important. ce serait peut-être plus le l'ancêtre de la parapsychologie, en fait. Ah, tout à fait. Ok. Tout ce qui est parapsychologie paranormale qu'on connaît maintenant. D'ailleurs, à cette époque-là, il y a eu la Psychical Society for Research in London, la Société de recherche psychique de Londres, qui accueillait énormément de talents et d'intellectuels occidentaux et de grands écrivains, des prix Nobel, etc., qui étudiaient scientifiquement ce qui se passait à cette époque, les tables tournantes, les médiums, etc. D'ailleurs, c'était à cette époque que sont arrivés les médiums, pas avant. Donc voilà, ça c'est important de différencier tout ça. Et l'occultisme, c'est au 19e siècle, et Steiner, Rudolf Steiner, le créateur de l'anthroposophie, est partie prenante de cet occultisme-là. Il le dit d'ailleurs, c'est le titre de certains de ses livres. Rudolf Steiner est d'abord passé par la société théosophique, qui a été créée par Blavatsky, une Russe qui est allée vivre aux États-Unis, puis ensuite en Inde. Donc elle a créé cette société théosophique en 1875 aux États-Unis. Et c'est elle qui a ramené toutes ces idées de réincarnation, de karma, de chakra, très très mal compris, complètement mélangé, etc. Voilà, Pour créer. petite pause. Donc s'il y a des auditeurs, des auditrices, peut-être qui ont des croyances par rapport au chakra, au karma, tout ça, et bien vous pouvez aussi aller retourner à la source, hein. La source, elle est là, c'est Blavatsky, la société théosophique. Voilà, et si on veut quelque chose d'un peu plus. Parce que s'il y a une quête sincère, je ne remets pas du tout en cause la sincérité des gens qui s'attachent à une croyance. Si vous voulez vraiment revenir à la source, on parlait de réincarnation, et le mot est faux d'ailleurs, c'est plutôt la renaissance, la métempsychose, la transmigration. Il faut revenir carrément aux traditions hindoues et délaisser complètement la société théosophique qui est une flagrante. Moi je le dis comme ça, c'est un jugement, c'est une flagrante Ouais. erreur, c'est une flagornerie. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, pour toi, toi, j'ai l'impression que toutes les traditions spirituelles ou religieuses se valent pas, quoi. Hein. C'est-à-dire que pour toi, il y a les traditions anciennes, elles sont plus respectables que les trucs qui sont nés au 19e siècle, hein. Ben, en tout cas, on a plus de traces de ce qui s'est passé au 19e siècle, et il est évident que tout ça, ce sont des inventions qui ont été créées par des gens qui avaient une ambition, soit étaient suggestionnés, c'est-à-dire qu'ils pensaient vraiment à ce qu'ils croyaient. C'est l'époque de la clairvoyance, donc la clairaudience, où les gens ont soi-disant entré en contact avec l'invisible, les dieux, les anges, les élémentaux. C'est le cas de Rudolf Steiner, qui est un clairvoyant. Ouais. Donc, Rudolf Steiner, il est passé par la Société théosophique, il est devenu secrétaire général de la Société théosophique en Allemagne. Il a aussi flirté avec la paramaçonnerie, c'est-à-dire la maçonnerie irrégulière de rite Memphis-Misraïm. Et puis, finalement, profitant des divers procès pour charlatanerie que Blavatsky a eu, et profitant de la mort de celle-ci et d'une guerre de succession à la tête de la Société théosophique, il s'est petit à petit dégagé pour créer sa société anthroposophique, mais qui est complètement pompée sur la société théosophique. Alors, pourquoi je dis que c'est une religion? C'est parce que il n'est pas prophète, mais en fait, c'est un prophète, puisque il reçoit des croyances, enfin, il reçoit une explication du monde par des entités supérieures, des dieux, une hiérarchie spirituelle. Il organise toute une vie, une façon de penser, une façon d'imaginer la constitution des corps avec le corps physique, astral, éthérique. Il crée des prières, il dit même, il crée des écoles par rapport à cette doctrine. Il crée une évolution spirituelle de l'humanité qui se conjugue en sept races racines. On en est à la cinquième, la terre, celle qui est terrestre. Oui, Oui. d'ailleurs, peut-être c'est le moment de préciser là qu'il y a un côté aussi très très gênant, surtout avec tout ce qui s'est passé après au XXe siècle, c'est que dans les théories de Rudolf Steiner, il y a clairement du racisme. Hein, après, je te laisse continuer. Ouais, alors c'est pas du racisme physique, c'est
tourné différemment, c'est du racisme spirituel. C'est-à-dire que, bon, il y a eu les Hyperboréens, les Lémuriens, les Atlantes dans toute la mythologie théosophiste et anthroposophique. Mais à la cinquième race racine, donc c'est les Terriens. C'est eux qui dominent la Terre, etc., qui sont les êtres les plus évolués. Et parmi les Terriens, il y a plusieurs différentes races avec une hiérarchie dans ces Oui, races voilà, c'est spirituelles. ça. Et la race supérieure, c'est la race dite aryenne, blonde aux yeux bleus, germanique. Et d'ailleurs, si on veut réussir spirituellement, soit il faut, et qu'on est par exemple noir, il faut soit suivre la guidance de l'anthroposophe, soit se réincarner, puisque dans l'anthroposophie on croit en la réincarnation et au karma, soit se réincarner en germanique. C'est quand même gratiné, quoi. Je suis désolé, mais moi je trouve ça choquant. Enfin bon, allez, je te laisse continuer du coup. Qu'est-ce que tu voulais nous dire d'autre sur l'anthroposophie pour la présenter? Pour moi, c'est la société, c'est disons le mouvement qui est le plus important dans les néo-spiritualités parce qu'elle agit de manière cachée, qu'elle existe depuis 100 ans, elle est beaucoup plus puissante que la société théosophique aujourd'hui. Elle touche beaucoup de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ça passe par ce qu'ils appellent les annexes. C'est-à-dire la biodynamie, les écoles Steiner, la médecine anthroposophique, les banques alternatives. D'ailleurs, c'est le terme, en fait, ils vendent ça comme si c'était alternatif, plus sain, l'agriculture biodynamique, plus bio que bio, etc. Sauf que non, en fait, ce sont des pratiques liées à une doctrine et des croyances, comme les réincarnations de la Terre, comme les élémentaux qui sont au nombre de quatre, qui parlent. Voilà, si on veut faire pousser une plante, il faut parler à l'élémental de la plante et tout un tas de choses comme ça. Et ils ont réussi récemment à s'introduire dans le pouvoir politique, notamment à travers Françoise Nyssen, mais aussi à travers le pouvoir moral en France. À une époque, on avait une image paternelle, c'était l'abbé Pierre, qui réunissait plus ou moins le consensus de tous les Français au niveau de la sympathie. Aujourd'hui, c'est Pierre Rabhi. Et ouais. Mais Pierre Rabhi, c'est un anthroposophe. Et tout son mouvement des colibris, etc., tout ce qui tourne, gravite autour, c'est anthroposophique. Ouais, alors, et j'invite, enfin bon, je réinvite les auditeurs sur ta chaîne parce que voilà, là on a l'air. Le problème avec l'anthroposophie, c'est que, comme je disais à Grégoire Perra, vu qu'ils se cachent assez bien, vu qu'ils veulent pas trop qu'on sache ce qu'ils font, et ben quand on en parle publiquement, on a vite l'air de conspi en fait, hein. Et donc je mettrai sur la page Facebook de l'émission tout plein de liens en fait vers des enquêtes de journalistes, vers des rapports de l'ami Vilude, non pas de l'ami Vilude, de Luna de Phi, pardon. Luna de Phi, d'autres témoignages de Grégoire Perra et d'autres personnes qui prouvent ce que tu dis en fait, hein, qui montrent que c'est pas juste des trucs qu'on sort comme ça de notre chapeau pour dire qu'il y a des complots quoi, hein. Non, non, c'est vraiment. Voilà, moi je résume là parce que sinon ça prendrait trop de temps. Et le sujet de cette soirée, c'est surtout Déodat Ouais, Rossi d'ailleurs, et on va y Capernaum. venir, ouais. Ouais. Mais voilà, il se présente comme une science de l'esprit. L'anthroposophie se présente comme une science de l'esprit. En fait, la traduction française est mauvaise. C'est lié à un procès qui a eu lieu entre deux dissidences anthroposophiques en France. Mais en vérité, la véritable traduction, c'est la science spirituelle. D'un coup, ça prend une autre tournure. Et qu'est-ce que c'est que cette science? C'est en fait Rudolf Steiner qui a accès au monde de l'invisible grâce à l'Akasha, une sorte de bibliothèque éthérique où il a connaissance du passé, du présent et du futur, et donc où il connaît la globalité du fonctionnement de l'univers. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a de scientifique? C'est qu'il observe, il constate, il expérimente et il propose. Voilà, c'est ça la science pour lui. Donc effectivement, il prend une méthodologie, mais il y a un gros problème de biais, pour parler de manière zététique. Et donc, il construit tout autour de cela. Et donc, toutes les annexes qui nous paraissent apparemment sympathiques sont en fait des outils de propagande anthroposophique militante. Le but, d'ailleurs, c'est pas forcément de convertir les gens à l'anthroposophie. Mais c'est de les installer dans une espèce de mentalité, d'état d'esprit. Et le but, c'est d'amener les gens, c'est Rudolf Steiner qui le dit précisément, au vrai christianisme,
à la religion universelle, qui est l'anthroposophie, et faire en sorte qu'à la septième race, à la sixième race racine, qui aura lieu vers 7853 après Jésus-Christ, les gens embrassent cette anthroposophie afin qu'ils passent un nouveau stade, qu'ils deviennent des êtres plus ou moins éthérés, angéliques, plus ou moins bisexuels, ayant des relations sexuelles à partir du larynx. Et voilà, tout ça. Bon, alors après, voilà, chacun ses croyances, pourquoi pas. Mais le problème, c'est toute cette propagande cachée qui est plus pour moi vénéneuse que par exemple la scientologie, qui est riche, etc. Mais on sait ce que c'est, on voit, ils s'assument, Oui, il n'y a pas de tout à fait. souci. Tout à fait, tout à fait. Peut-être on va préciser un dernier truc, c'est que, et puis après on passe sur Déodat Rocher, c'est que dans tout ça, ben, y a malheureusement des dérives graves avec des victimes. En particulier, on sait désormais que par le travail de témoins qui ont, de victimes qui ont parlé, de témoins qui ont parlé, de journalistes qui ont recueilli leurs témoignages, que dans les écoles Steiner, il peut y avoir plus de violence entre enfants parce que dans la doctrine de Steiner, il y a le fait qu'il faut laisser faire ce genre de truc que dans les autres écoles qu'il y a aussi ils ont aussi plus de violences sexuelles malheureusement donc c'est quand même pas rien voilà Il n'y a pas que ça, par exemple l'histoire du vaccin aussi, ouais ça, ouais ouais dans en les fait écoles, il n'y a pas que ça ouais, t'as raison. l'histoire du vaccin, qu'on soit pour ou contre, ce qui est intéressant, c'est comment Rudolf Steiner proposait la chose. C'est que si on a une maladie infantile, c'est qu'on l'a méritée. Il faut la subir pour pas alourdir son karma. Sinon, on va avoir du mal à s'incarner dans une autre vie correctement. Donc, il faut surtout pas se vacciner pour cette raison-là. Et ça explique pourquoi on a constaté, en particulier en Allemagne, des foyers infectieux sur pas mal de maladies qu'on pensait disparues ou presque dans les écoles Steiner aussi, quoi. Oui, c'est pour ça qu'ils sont à la pointe aussi du port contre le masque, bon, qu'on soit d'accord ou pas. Ils sont à la pointe de la lutte contre les vaccins actuels pour le Covid. Ils sont à la pointe de les compteurs Linky, par exemple, qui sont installés en France. Les associations principales sont financées par des instituts anthroposophiques. Ils sont à la pointe de quasiment de l'homéopathie aujourd'hui. Boiron, Bon, c'est pas voilà. eux quand même, si? Pardon? Boiron, c'est pas eux quand même, si? Non, c'est pas eux, c'est pas eux. Ah. Mais Ok. ils sont proches. Samuel Hahnemann, qui a créé l'homéopathie, était un occultiste aussi. Ouais. Non mais Boiron, on peut leur reprocher plein de trucs, mais ils sont pas anthroposophes. Non. Ok. Allez, on passe sur Déodat Rocher? Ben oui, avec plaisir. Allez. Pensado critico episodi binte wait secum cataristos et wait que tourno lu shadow ombre d'abnusaus. Adieu shadow. Adieu. Cum taurat compres, l'unus de invitat de wei shadow ombra qui intervien de baci pseudonym et cu definiri cumo un youtubaire especializat den l'historio et den las doctrinos de las neo-espiritualitats entre berghetos new age d'un punt de vista critique. Donc, et souvent plabiengut et souvent invitat dans nos mitans sceptiques, même si ne se définissent pas et médiche comme u sceptique. Dans l'épisode di Purme, d'acquesto secondo sasu de pensado critico, Shadow Ombre que se présente udrin l'anthroposophia, donc eroia 15 dios, a cum anthroposophio e oei que se cum cataristos, a la baso, que debe statutaco usul portrait de l'anthroposoph occultiste et descubridou ou arre popularisa tout de l'hérésie au Qatar, Déodat Rocher, que devait être l'épisode R comme Rocher.
Mais bon, comment dure-tu au record? Ne pouvais-tu pas avoir eu sous l'épisode et que même bestia botale des coupa per mu tout qu'erro intéressant. Donc, ouais, qu'il sait comme cataristo, qu'est-ce qui m'intéressa donc à la personnalité de Deudat Rocher, famous historia entre Berghetos, combat de du catarisme et occultisto, et la première question qui posait à Shadow, qu'erro, qui est à découvert Deudat Rocher? Moi, je l'ai connu parce que mon père est fasciné par votre région et par le catharisme. C'est vrai que c'est une époque, un contexte très mystérieux, quasi mythique, avec beaucoup d'aventures médiévales, etc. Et puis, il aime cette région. C'est comme ça que moi, j'ai connu le catharisme enfant. Et donc, Déodat Rocher, qui est la figure principale. Dès qu'on parle de catharisme, on parle tout de suite de Déodat Rocher. Ouais. Et moi ensuite j'ai fait des études entre autres dans les sciences des religions, donc j'ai touché au catharisme, et puis c'est ensuite en m'intéressant à l'anthroposophie et plus principalement donc et plus précisément pardon à Déodat Rocher que j'ai vu qu'il y avait un petit souci. Et cette question de Déodat Rocher, c'est une question qui est vachement importante parce que d'emblée quasiment ce qu'on sait du catharisme vient surtout de cette figure-là qui est né en 1877 à Arques, dans l'Aude, à une quarantaine de kilomètres au sud de Carcassonne, qui est mort dans cette même ville en 1978. Or, tout ce qu'on sait de lui, sur le catharisme, c'est faux. C'est complètement faux. C'est ça qui est terrible. Et les chercheurs actuels qui s'occupent à nouveau de la question, qui la prennent à bras le corps, on avait déjà commencé dans les années 60, mais là, ça a vraiment pris de l'ampleur, le prouvent aussi à travers leurs études. Et ce qu'on sait actuellement, d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas grand-chose du catharisme. Oui. On sait un peu de sa doctrine, mais peu de ses origines, très très peu de ses influences, qui l'ont poussé à exister voilà, dans le midi de la France, au Moyen-Âge, en tant que dissidence de l'Église romaine catholique. Ça, c'est important de le noter. C'est pour ça que la question de Déodat Rocher, surtout en Occitanie, c'est vraiment important. Il faut vraiment l'éclairer. Parce que toutes ces ondes d'ombre qu'il y a autour du catharisme laissent beaucoup de place aux théories, évidemment. Pourquoi pas? C'est une méthodologie scientifique, la théorie. Ça laisse place, par contre, aux suppositions, aux biais, aux fantasmes, aux inventions. Et là, ça devient plus grave. On le voit notamment aussi, d'ailleurs, avec d'anciennes traditions qui n'existent plus, qui sont quasiment perdues. On ne sait pas grand-chose du manichéisme. On ne sait pas grand-chose du zoroastrisme. Par contre, on a inventé tout un tas de choses autour. Ouais. Ce sont des mouvements religieux entourés de mystères qui peuvent être facilement récupérés par des néo-religions, des néo-spiritualités, et c'est le cas pour beaucoup de néo-spiritualités qui sont nées au XIXe siècle. Il y a eu une récupération de l'hermétisme, du rosicrucisme, des mythes égyptiens, etc. etc. Ouais. Du coup, Déodat Rocher, donc tu nous as dit quand il est né, quand il est décédé, tu nous as dit que dans ce qu'il a écrit, il y avait beaucoup de choses fausses. Et par contre, moi, pourquoi j'en parle avec toi aussi, c'est parce que j'ai pas encore pu me pencher vraiment sur ce qu'il a écrit, parce que c'est difficilement trouvable, en fait. Est-ce que tu peux... Je vois que toi, t'en as lu pas mal, apparemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont ses thèses principales et pourquoi on sait que c'est faux aujourd'hui? Oui, mais c'est pas seulement... Ce qui est grave avec Déodat Rocher, avant d'embrayer sur sa littérature et sur sa vie aussi, parce que sa vie est aussi importante que sa littérature. Allez. Ce qui est grave avec Déodat Rocher, c'est pas seulement qu'il a faux. On peut être un historien, ce qu'il n'est pas d'ailleurs, il n'est pas historien. On peut avoir faux sur, voilà, sur une histoire, sur l'histoire d'un mouvement, d'un peuple, etc. Et en tout cas sur le cas du catharisme, parce que c'est très compliqué. Mais non, le problème, c'est qu'il en a profité pour y induire une vision anthroposophique. C'est important de le dire, car Déodat Rocher, c'est pas seulement celui qui a remis en avant le catharisme, il est aussi, en ce sens, un précurseur important, actif, de la résurgence occitane dans les années 60. Or, moi, si je comprends cette volonté de faire vivre ou revivre un patrimoine régional fascinant et digne de fierté pour ceux qui s'y reconnaissent et pour ceux qui militent, il faut vraiment se débarrasser de certaines scories qui se sont agrégées autour de la question du catharisme et de l'occitanisme, afin de vraiment connaître ce patrimoine, afin de le faire vivre authentiquement, je pense que c'est le souhait des Occitans qui voilà, se sentent fiers de ça, et afin aussi
et c'est pas la moindre des choses, d'être crédible. Voilà. Donc, j'aimerais commencer par la vie de Déodat Rocher, parce que avant d'écrire, il a eu déjà une vie fascinante. D'ailleurs, c'est une vie qui est fascinante. C'est une vie romanesque. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que cet homme, c'est un occultiste, c'est-à-dire à placer dans le créneau que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un occultisme total. Ouais. Il a été partie prenante de l'occultisme dès le 19e siècle. Et c'est son père qui l'y a intéressé, notamment par des lectures. Alors, il lui a fait lire un célèbre Cévenol dans le milieu occultiste, qui est né à Nîmes, c'est Fabre d'Olivet. Il est célèbre dans le milieu occultiste à l'époque, c'est un néo-kabbaliste qui s'est intéressé à l'ancienne théosophie, c'est-à-dire celle de Jacob Böhm, un Allemand de la Renaissance, qui a vécu au XVIe, XVIIe siècle, et non pas de Blavatsky et sa société théosophique. D'accord. D'ailleurs, Fabre d'Olivet, le Cévenol, était un défenseur de la langue occitane et un précurseur du Félibrige. Oui, voilà. Donc, c'est pour... Il me semblait bien qu'il avait écrit en occitan, oui. Oui, ouais. Donc c'est pour dire que l'occultisme aussi a un lien avec les quêtes de réappropriation culturelle du patrimoine régional. Déodat Rocher, par ailleurs, il a lu Cédir. Enfin, avant Cédir, il a lu Papus. Gérard Dancausse, alias Papus, qui est le chef de file de l'occultisme français, qui a été spirite, puis théosophiste version Blavatsky. Déodat Rocher a lu Churet, Édouard Churet, un Alsacien, qui a été lui aussi spirite, occultiste, théosophiste, puis anthroposophe. On l'appelait la girouette de l'occultisme. Il a lu Cédir, un autre occultiste qui était proche de Papus, qui était membre de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix d'Or de Péladan, encore un mouvement occultiste du 19e siècle. Il a été membre de la Hermetic Brotherhood of Luxor, la fraternité hermétique de Luxor, qui est cette fois-ci une société très cachée qui a joué un rôle très important dans l'avènement de la société théosophique. Déodat Rocher a évidemment lu Alan Kardec, le père du spiritisme français. Il a lu Fabre des Essarts, un occultiste qui a créé l'église gnostique, une église dissidente qui tente de réapproprier le christianisme à travers l'ancien gnosticisme hérétique et aussi à travers le catharisme. Donc, à la même époque, en fait, dans sa jeunesse, il s'intéresse à l'histoire de sa région, notamment aux Albigeois. Il a donc deux centres d'intérêt, étant jeune, l'occultisme de fin de siècle et le catharisme. Donc, ça commence très tôt, en fait. Concernant l'occultisme, il ne va pas seulement lire les auteurs. Il va y participer pleinement. À 19 ans, il rejoint la capitale, Paris, et il retrouve Papus, qu'il voulait absolument rencontrer, qui s'est détaché, lui, du spiritisme et du théosophisme, tout en gardant de nombreux axes de ses doctrines, pour créer sa propre société, qu'il va appeler le groupe indépendant d'études ésotériques. Rocher, il devient membre de ce groupe-là. Donc, il fait partie des premiers occultistes franco-français, puisque la société théosophique était anglaise, le spiritisme, même s'il était français, vient des États-Unis. Non, là, il fait vraiment partie des débuts de l'occultisme français. Donc ça, c'est important à signaler. Et ce GIEE, c'était un peu une chambre de préparation au célèbre ordre martiniste de Papus, à laquelle Rocher va très vite adhérer 2 ans après à la création. Okay. Déodat Rocher, il sera aussi évêque de l'église gnostique de France, qu'on peut comparer à la fameuse église qu'a créée Rudolf Steiner, la communauté des chrétiens, mais celle-ci au service de Papus. D'ailleurs, le mémoire de licence, puisque c'est un universitaire, un philosophe, puis il va aller dans le droit, Déodat Rocher, son mémoire de licence en philosophie, porte sur le gnosticisme. Il avait pour titre, si je me rappelle bien, « Plotin a-t-il simplifié le système des Valentiniens ?» Ouais. Je suis sur Wikipédia, c'est ça. Ah, voilà. C'est un proche qui l'a introduit à tout ce beau monde et qui l'a accompagné, c'est le docteur Louis Sofron Fugueron. Et cet homme-là,
Ce docteur, il était de toutes les parties occultistes en France. Bon, c'était une mode aussi, hein. Même Marie Curie s'était essayée au spiritisme, même Nietzsche s'y était essayé, même Victor Hugo. Bon, ça ne veut pas dire que pour autant ils étaient tous occultistes, mais on voit qu'il y a une forte empreinte de cet occultisme-là. Et c'est avec ce guide-là que Déodat Rocher va fonder sa fameuse revue Le Réveil des Albigeois, qui est en fait un organe de l'Église gnostique de France. Ce n'est pas une revue historique sur les Albigeois, ce n'est pas une revue sur la doctrine des Albigeois, c'est un outil de propagande occultiste. Et l'idée y est déjà de récupérer le catharisme pour dire, en fait, vous voyez, le catharisme, c'est un ancien occultisme qui a été fracassé par l'Église catholique, parce que les grands ennemis de l'occultisme, c'est l'Église catholique. J'ai lu certains numéros de cette revue à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. On y trouve de nombreux articles de Rocher, et déjà, il intégrait dans sa perception du catharisme de nombreuses nouvelles croyances occultistes. D'ailleurs, la revue a très vite changé de nom pour devenir la Gnose moderne. Donc on voit que ça n'a plus rien à voir avec les Albigeois. La publication n'a pas duré longtemps, elle a duré 4 ans en tout. Et quelque part, il me fait penser à un anthroposophe en ce moment qui sévit sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Rémi Mauzenay, et qui s'est spécialisé dans les contes et les traditions de sa région, la Savoie. Il revendique le fait d'être savoyard, pour y affirmer qu'il trouve dans ses contes anciens et ses traditions anciennes de l'anthroposophie. Il y a donc une récupération pour essayer de justifier l'anthroposophie. Mais bon, Rocher, à ce moment-là, il n'est pas encore anthroposophe, puisque à cette époque, on est en 1900, il a 23 ans. Oui, et puis la société. Ah, si, la société anthroposophique, elle est déjà créée, non? Non, elle est créée en Ah, 1913. c'est bien ce qui me semblait, voilà. Oh, ok. Donc, tu vois, il baigne complètement dans cet occultisme-là. Complètement, mais à fond les ballons. Alors, il va descendre ensuite dans sa région, à Carcassonne, pour y mener sa vocation professionnelle, qui est celle de magistrat. Mais il continue à fréquenter de pair tous les cercles spiritualistes possibles. Il va être notamment initié à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans une loge très particulière qui s'appelle la loge les vrais amis réunis, à Carcassonne. C'est une loge qui est républicaine, anticléricale et laïque. Il faut savoir que les occultistes étaient tous républicains, anticléricaux et laïcs. D'ailleurs, il y a de nombreux hommes politiques qui rentraient dans le Grand Orient de France, comme Jules Ferry, etc., et qui portaient la laïcité à bras-le-corps. D'ailleurs, cette loge-là, des vrais amis réunis, c'était la loge préférée des socialistes. Et Déodat Rocher en deviendra le vénérable maître, et il en sera membre toute sa vie, ce qui va lui permettre, d'ailleurs, c'est à ça que ça sert la franc-maçonnerie aussi, d'avoir un réseau important. Et dans sa vie professionnelle, il va devenir à un moment président du tribunal de Castelnaudary, dont il a été évincé sous le gouvernement de Vichy, pardon, pour la raison qu'il était franc-maçon. Et ensuite, voilà, il a essayé de faire un peu de politique. Il a été un temps maire de son village d'Arques, puis conseiller régional. Mais à l'âge de 68 ans, il va prendre sa retraite politique. Alors, ce qui va nous intéresser, je pense, là, c'est quand est-ce qu'il rentre en Ouais, anthroposophie. carrément. On va revenir un peu en arrière. Il rentre en anthroposophie en 1921. Il a 44 ans. Et en 1921, il rencontre Rudolf Steiner. Je dis bien, il le rencontre. Il le rencontre à Dornach, près de Bâle, en Suisse, où a été érigé le Goetheanum, un grand bâtiment qui est en fait le Vatican de l'anthroposophie. Rocher y suivait Steiner depuis 1903, à travers la revue de ce dernier qui s'appelait Lucifer Gnosis. À l'époque, il était encore théosophiste, Steiner. Donc en 1921, Déodat Rocher rencontre Steiner, et en 1922, il s'adonne entièrement à l'anthroposophie, dont il devient un membre, un sociétaire. Un membre assidu, puisque 2 ans après, il fait partie de l'université libre de la science de l'esprit, c'est-à-dire la crème de la crème universitaire pseudo-spirituelle de l'anthroposophie, où tout se décide. Donc c'est pas rien. Si l'église gnostique, tout à l'heure, dont j'ai parlé, a tenté de récupérer le catharisme, c'est parce que les cathares étaient opposés à l'église catholique de Rome. Pour l'anthroposophie, c'est pareil,
puisque l'anthroposophie se déclara, le Steiner déclara que l'anthroposophie à multiples reprises, c'est le vrai christianisme. Donc, quand Rocher découvre Steiner et son mouvement, pour lui, c'était un mélange parfait de christianisme anticatholique aux aspirations occultistes. D'ailleurs, Steiner a beaucoup écrit sur les cathares, qu'il aurait compris grâce à ses voyages éthériques et astro. Bravo le travail d'historien. Carrément, ouais. Alors, si entre-temps, tout au long de sa vie, il s'est intéressé à d'autres occultismes, notamment la fraternité blanche de Deuneuf, qui est un avatar du théosophisme, il restera toute sa vie anthroposophe. Quand il va prendre sa retraite politique en 1948, il va se lancer à fond dans le catharisme et il va fonder son célèbre cahier d'études cathare, Ah, voilà. le fameux. Alors, il a du monde qui l'entoure, et notamment une dame qui s'appelle Lucienne Julien. Je ne sais pas si tu la connais peut-être dans le milieu occitan. Alors, pas de... moi, il y a plein de trucs que je découvre. Hein. J'ai beau être plus impliqué que Ah. toi, j'imagine, dans tout ce qui est défense de l'Occitan et tout. Il y a plein de trucs que je découvre, il y a plein de trucs qui manquent à ma culture. Donc, non, je connais pas et je veux bien que tu m'en parles. Eh bien, super. On est là pour ça. Lucienne Julien, c'était une activiste de la SFIO, un parti politique à tendance socialiste de la Troisième République, Quatrième République, pardon, et membre de la loge franc-maçonne Le Droit Humain, qui était très proche des milieux occultistes et notamment théosophistes, puisqu'elle a carrément été comment dire, récupérée par la Société théosophique. Cette loge, Le Droit Humain, était affiliée au Grand Orient de France. Et elle va aider et succéder à Déodat Rocher à sa mort. Donc on est encore dans un milieu occultiste. Une autre personne très proche qui va l'aider, encore une femme, c'est Simone Anedouche. Alors elle, c'est une sacrée histoire. Aux alentours de 1930, elle passe devant une librairie occultiste, on dirait ésotérique aujourd'hui. Le mot fourre-tout, mais à l'époque encore, il tenait à ses différenciations. Elle passe devant une librairie occultiste à Nice qui met en devanture quelques livres de Steiner. Quand elle voit les titres, ça l'intrigue. Elle entre et elle achète, elle lit et elle s'intéresse dès lors très fortement à l'anthroposophie. On est en 1930. 10 ans après, 1940, son époux décède. Tout de go, elle part à Dornach, donc au fameux Vatican de l'anthroposophie. Gothéanum. Elle part à Dornach pour étudier au cœur de l'anthroposophie, et là, elle y rencontre Déodat Rocher. Depuis, elle va collaborer au cahier d'études cathare, tout en étant une figure de la résurgence, pardon, du catharisme, car ces cahiers d'études et l'action de Rocher, ils n'ont pas un but historique, ils n'ont pas un but de résurgence occitane. Ce catharisme qu'il propose à travers ses cahiers d'études sont extrêmement imprégnés d'anthroposophie. D'ailleurs, cette dame, Simone Anedouche, a traduit de nombreux textes de Steiner qui sont publiés dans des éditions anthroposophiques françaises. Cette résurgence, pseudo-résurgence du catharisme, passe par une association branche des cahiers d'études qui s'appelle Du souvenir et des études cathares, qui va s'appeler ensuite, il me semble, la spiritualité cathare. Et en fait, dès 1956, chaque année, Déodat Rocher et ses deux collaboratrices, Anedouche et Julien, à travers cette association de la spiritualité cathare, organisaient des camps d'été, pardon, dans les Hautes Corbières. Il me semble que c'était à Lestagnol exactement. Très joli coin. Ils y faisaient des rencontres, des échanges, des conférences. Ils y menaient une vie communautaire. Ça passait par la méditation au lever du soleil, de la musique, du chant, de l'eurythmie, la fameuse danse occultiste de Rudolf Steiner, etc., etc. D'ailleurs, quand Rocher faisait des conférences, il se référait continuellement à Steiner. Voilà, j'en dirai pas plus sur la vie d'Oda Rocher, mais on voit qu'elle est complètement occultiste et très vite anthroposophique. Alors maintenant, on va s'attaquer à la littérature d'Oda Rocher, de ses ouvrages. Parce que peut-être qu'il est anthroposophe, mais qu'il s'est mis sérieusement à l'étude du catharisme. Pourquoi pas? Il a écrit en 1952 un livre marquant qui s'appelle Études manichéennes et cathares.
Alors, études manichéennes et cathares, pour celui qui est familier de l'anthroposophie, ça ne trompe pas. Parce que Manès, pour Rudolf Steiner, c'est une des 12 guides de la fraternité blanche, des supérieurs inconnus qui guident l'univers, qui guident les guides vivants sur Terre, comme Steiner, qui sera guidé par Maître Jésus, Maître Manès, Maître Rose-Croix, etc. Quand on ouvre ce livre, il est disponible à la BNF. D'ailleurs, si vous allez, alors moi je l'ai, mais vous pouvez le retrouver sur Gallica, la bibliothèque Ah, numérique. super. Causo estunanto della mediateca della mia mobile autorivo 31 e beh, che ya libes de Deodat Rocher e in particolare a queste libe d'un parlo shadow études manichéennes e cathares. Donc c'est scutazzaco sus Radio Occitanio e si express de nuste d'autorivo e pouvez prendre l'utilis plus chouruz l'auto e bien impronta ou consulta l'us libes de Deodat Rocher. Que disi que estudiant per mu en effet n'est pas historio serioso et donc que me disi que las personas qui han bayat aquestes libes a la meo biblioteco per mu que n'ai parlat de la bibliothécaire en effet que roi dun mais ne savait pas mai de qui viene lo dun et ben las personas qui han bayat aco que deben abe u ideo di eu despandi justement la parablo du mest entre Bergetto puisque deu da trucher que considerat per certesus como u mest de l'occultisme. Et que barri la parenthèse et que tournam à l'entrevista de Shadow. Donc l'édition de 1952, à la page 12 dans l'introduction, il dit ceci, Théodat, donc dès l'introduction, la science spirituelle, donc comprendre l'anthroposophie, la science spirituelle moderne est qualifiée par ses méthodes pour éclaircir ce sujet, le sujet du catharisme, et le sens profond de l'évolution spirituelle qu'éveille l'enseignement de Rudolf Steiner peut nous permettre de situer le mouvement cathare à sa vraie place dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend qu'il va étudier le catharisme à travers le prisme de l'anthroposophie. Page 20, toujours en introduction, il dit ceci: pour la compréhension et l'approfondissement du pur spiritualisme des cathares, qui dépassait des rites même qu'ils pratiquaient comme des symboles, nous avons aujourd'hui l'aide de la science spirituelle enseignée par Rudolf Steiner. Ah ouais. Donc voilà, c'est clair et net ou pas? Page 34 du même livre, il dit: l'évolution spirituelle de l'humanité a été décrite d'une manière profonde par Rudolf Steiner. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, les hyperboréens, les lémuriens, les atlantes, les réincarnations, les races racines, les réincarnations de la Terre, etc., etc. Page 40, il fait référence à la cosmogonie de Manès, un livre écrit par Rudolf Steiner. Et c'est de là que vient cette idée qui court toujours, que le catharisme est lié au manichéisme. C'est faux. C'est une invention complètement steinérienne qui a été popularisée par Déodat Rocher. Page 195, encore de ce même bouquin, il inscrit carrément le catharisme dans l'ère du poisson, c'est-à-dire l'ère chrétienne, dont je cite Rudolf Steiner enseigne qu'il a agi précisément à l'époque de l'entrée de la Terre, dans sa phase la plus dense, la plus matérielle, qui a marqué la fin de la période lémurienne. Et Déodat Rocher annonce que grâce au catharisme, on va rentrer dans cette fameuse ère du Verseau, qui est complètement New Age, en fait, un concept New Age. Bon, dans ce bouquin, en fait, je ne vais pas tout le citer, il y a une cinquantaine d'occurrences à Steiner. Et ces occurrences sont toujours signalées comme des références pour comprendre, pour étudier le catharisme. Ouais, d'accord. Voilà. Et parallèlement à ça, il se réfère, j'imagine. Est-ce qu'il, du coup, bon, ça jette quand même un assez gros discrédit sur la crédibilité historique du truc, mais il se réfère aussi à des sources un peu plus historiques comme les registres de l'Inquisition ou des trucs comme ça, ou pas du tout, du coup? Bien sûr, mais en fait, Il mélange les deux. si parle, il peut parler de sources qui sont fort intéressantes, ça, c'est pas à remettre en question quand c'est vérifié, etc. Mais c'est toute son interprétation, Ah et c'est ouais. cette interprétation qui va rester. C'est tout son travail de réflexion, entre guillemets, qui va rester. Et en fait, il faudrait se débarrasser de tout ça, recommencer à zéro, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, hein, Ouais, grave. en ce moment,
pour vraiment recomprendre le catharisme et se débarrasser de cette vision anthroposophique. C'est recommencer à zéro, c'est ce qui est fait, y compris par des historiens, historiennes depuis les années 90, là, qui remettent carrément en cause le fait qu'il y ait eu même une église constituée cathare, c'est-à-dire Oui, tout à des fait. gens organisés avec des croyances dualistes et éloignées du catholicisme, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans les registres de l'Inquisition. Mais il y a des historiens qui disent que, en fait, c'est quelque chose qui a pu être aussi un peu exagéré, voire inventé par l'Inquisition, quoi. Oui, en tout cas, il y a un gros point d'interrogation. Et Voilà. Déodat Rocher affirme qu'il a compris tout ça grâce aux précisions de Steiner. Ça, c'est grave. J'ai lu aussi un ouvrage qu'il avait écrit précédemment en 1947, Le catharisme, ça s'appelle. Alors, évidemment, dans ce bouquin, si d'un point de vue historique, il y a des choses intéressantes, comme on le disait, en ce qui concerne l'interprétation du catharisme, bon, ben voilà, c'est hyper influencé par Steiner, il le cite à nouveau, etc. Il parle notamment de toutes les histoires réincarnationnistes qu'il agrège au catharisme. Il y associe Ah, et aussi le. donc, l'histoire, parce que moi je l'avais vu ça à la fac, hein, que les cathares croyaient à la réincarnation, tout ça. Je suis pas sûr que ça se trouve dans les textes originaux, et là c'est quelque chose qui viendrait de Déodat Rocher, de son influence de Steiner ou pas alors? Ah oui, complètement. Ça vient de là. Ah, En tout fait, s'éclaire! voilà. En fait, la réincarnation, elle commence au 19e siècle. C'est une thèse d'ailleurs qui est partagée par beaucoup de théoriciens politiques socialistes qui essayent de trouver, de créer des spiritualités en lien avec les problèmes de la vie. C'est-à-dire que si tu nais pauvre, ça veut dire que dans ta vie précédente, tu as été un con de riche qui s'est mal comporté. Voilà. Donc, la réincarnation, on n'en parle pas, au contraire de ce qu'on pense aujourd'hui, hein, et que ce que tout le monde pense. Moi, j'invite les auditeurs à aller écouter mes vidéos sur l'impossibilité de la réincarnation, où je parle exactement des sources, de ce concept de la réincarnation qui est né en Occident. Parce que en Orient, notamment chez les hindous et les bouddhistes, on parle de renaissance. Ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a complètement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. D'ailleurs, le mot réincarnation en sanskrit n'existe pas. Ok. C'est simple. Donc, voilà, réincarnationnisme, manichéisme. En fait, c'est osé parce que le manichéisme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui encore, et encore plus dans les années 40, c'est un sacré mystère. Donc, comment associer les deux si ce n'est par le biais de l'anthroposophie, ce que va faire Rocher? Et franchement, quoi qu'il en soit de ces points, on se demande quand même comment Rocher en arrive à affirmer que le manichéisme, tout comme le catharisme, était purement chrétien. Alors, le manichéisme purement chrétien, ça, écoute. Et que leur doctrine était une expression du platonisme, c'est-à-dire qu'il va se rattacher à une école ésotérique authentique, entre guillemets, ancienne, pour essayer de crédibiliser encore son point de vue. Et ça vient pas de lui, ça vient de Steiner aussi. Parmi mes lectures, j'ai lu le numéro de janvier-mars 1949 des Cahiers d'études cathares. C'est d'ailleurs la première publication de cette revue. Bon, encore une fois, mélange de manichéisme, de catharisme, on retrouve toutes les influences steinériennes dès 1949. Hein. Je vous rappelle que Déodat Rocher devient anthroposophe en 1940. D'ailleurs, dans ce document-là, il y a un article de Théo Maurer qui est anthroposophe, oui, clairement aussi, et c'est tout aussi clair et net, quoi, cette emprise de l'anthroposophie sur cette résurgence de la recherche cathare. D'ailleurs, ce monsieur Maurer avait publié un article sur Bardesan Dedès, un chrétien syrien de l'époque, des premiers chrétiens, et cet article, qui a été produit dans le cahier d'études cathare, avait été publié au préalable dans la revue du Goetheanum, qui est la revue de la société anthroposophique, Ah c'est ouais. dire. Et d'ailleurs, ce Théo Maurer, là, qui a fait cet article qui avait été publié au préalable dans la revue du Goetheanum, il a participé à la création de l'école Michael de Strasbourg, une école Steiner-Waldorf, une des premières écoles Waldorf en France. Ah, cool. Ouais. C'est dire, hein. J'ai lu le numéro de juillet-septembre 1949,
on y trouve un article de Romain Gaudron qui s'appelle La quête du Graal et son rapport avec l'ésotérisme chrétien Ouais. moderne. Alors, comprendre l'anthroposophie, en fait. Déjà, l'ésotérisme moderne, c'est particulier parce que l'ésotérisme, c'est ancien, c'est stable, il n'y a pas de rapport à la mode, à la modernité. Et le rapprochement de ce démo, c'est un vrai paradoxe. Mais bon, on lit vite que ce sont dans ce texte-là les idées de Steiner, particulièrement, je cite, Steiner est particulièrement autorisé à aborder le thème du Graal. Et pourquoi? Monsieur Gaudron explique au lecteur, je cite, que Goethe a été en contact, Goethe, le fameux philosophe Ouais, allemand, auquel se a été en réfère beaucoup contact. Steiner tout le temps, enfin, auquel se réfère beaucoup Mais c'est Steiner ça. et derrière lequel il se cache en fait, auquel il fait dire des trucs que lui-même disait pas C'est ça. forcément. C'est ça. Goethe a été en contact au cours de sa jeunesse avec la tradition rosicrucienne et que le destin a placé précisément Rudolf Steiner dans l'orbite de la pensée goethéenne, car il fut à une période de sa vie chargé d'éditer les écrits scientifiques de Goethe et de les compléter par les inédits déposés aux archives de Weimar. Alors, apologie de Steiner d'une part, hagiographie même, parce que en fait, ce qui s'est passé pour Rudolf Steiner dans les études scientifiques de Goethe, c'était une vraie catastrophe, il s'est fait virer d'ailleurs. Ah merde. Ah non, merde, c'est prévisible en même temps avec un type comme ça, quoi, Et ensuite, il y a un rattachement initiatique à un ancien courant qui est vraiment particulier. C'est parce qu'il a été dans des études scientifiques de Goethe qu'il a été en lien avec les Rose-Croix, etc. Bon, on s'arrange de peu dans l'anthroposophie et dans ce milieu d'études cathares. Je ne sais pas à quel point ces gens sont sincères et naïfs ou manipulateurs. Et dans un article qui suit, qui s'appelle Le Graal pyrénéen, cathares et templiers, Monsieur Rocher raconte ses découvertes dans une grotte. Et ce qu'il y trouve, il le rapporte au manichéisme. Encore une fois, il va tout rapporter au manichéisme. Il fait des liens fantasques avec les Templiers, encore une autre histoire pleine de Attends, mystères. excuse-moi, excuse-moi. Il a trouvé quoi dans une grotte? Il va trouver des rapports au manichéisme, des symboles, etc. Ah, et ça c'est prouvé, il l'a publié ou c'est quelque chose qu'on pense qu'il... Il a écrit dans cet article le Graal pyrénéen, cathares et Templiers. Du numéro de juillet 1749 des études cathares. Donc, il dit qu'il a trouvé des trucs dans une grotte qui prouve le lien entre manichéens et cathares. Mais Il fait le lien avec des Templiers. ouais, mais ces trucs-là, moi j'en ai pas entendu parler, quoi. Ça existe ou pas? Est-ce que cette grotte existe? Je sais pas, je suis pas allé vérifier. Ça, je peux pas te dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il en parle dans cet article. Ouais. Et à la fin de l'article, d'ailleurs, il parle de grands maîtres modernes, encore une fois des grands maîtres, donc c'est Steiner en fait, qui aurait pour mission de préparer la venue de l'époque du Verseau. On est vraiment en plein théosophisme anthroposophie en fait. D'ailleurs, Steiner avait écrit sur l'ère du Verseau très tôt dans sa carrière, notamment dans le livre Théosophie qu'il a publié en 1904. Ok. Dans le numéro, j'ai presque fini, Ouais, dans vas-y. le numéro d'octobre-décembre 1949, pardon, dans l'article Les cathares et l'amour, Rocher propose une très particulière présentation de Lucifer, une entité qui pousse à trop de spiritualité, et à Satan, une entité qui pousse à trop de matérialisme, et dont il dit que c'est la vision cathare. Mais ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il s'agit tout à fait de la vision anthroposophique, entre Lucifer et Satan Ahriman. D'ailleurs, Rocher s'en cache pas, puisque dans cet article même, il indique qu'il fait appel, je cite, aux données de la science spirituelle moderne constituée par Rudolf Steiner. Bon, dans le numéro 14 de 1953, c'est Madame Anne Douche qui publie un article apologétique sur le Faust de Goethe au Goetheanum, une pièce qui a été jouée au Vatican, bon, dans les études cathares. Hein. Ok? Bref, pour en finir là, il suffit de lire quelques-unes de ces revues pour comprendre évidemment qu'il s'agit à peine d'histoire ou d'études des cathares et de leur doctrine, de leur doctrine, pardon, mais de beaucoup d'anthroposophie, c'est même pas caché, il suffit de lire en fait. Déodat Rocher étant mort en 1978, on pourrait penser que la suite fut moins anthroposophe. Effectivement, il y a la recherche en ce sens. Hélas, il y a quand même une figure qui a repris le flambeau aujourd'hui, que tu dois peut-être connaître ce nom, Vas-y. c'est José Dupré. C'est une des références dans le milieu actuellement, qui est le successeur de Rocher, qui fut son maître. L'homme a fait soi-disant des études supérieures scientifiques, et il explique, en lisant Pierre Leconte Nouilly, qu'il a remis en cause le paradigme scientiste et mécaniste, c'est-à-dire qu'il s'est complètement est complètement sorti de une vision matérialiste du monde. Il a commencé à chercher dans le gnosticisme et il a découvert le catharisme en 1959,
En 61, il rencontre Déodat Rocher dans ses fameux camps d'été des Hautes-Corbières. Et dès lors, ils ont collaboré. Il est devenu la troisième personne du cercle proche de l'ancien, hein, l'ancien Déodat, avec les deux femmes déjà citées. Et depuis, il fait des conférences sur les cathares et sur l'anthroposophie. Ah, mais je crois que j'en ai vu une de ses conférences sur YouTube. D'accord. Et lui, il est toujours actif. Ah, il est actif, oui. En 2005, par exemple, d'ailleurs, il a publié le livre Rudolf Steiner, l'anthroposophie de la liberté aux éditions La Clavellerie. C'est dire. D'accord. Voilà. Donc lui, c'est quelqu'un qui est clairement anthroposophe et qui, sous couvert de parler des cathares, va en fait parler d'anthroposophie. C'est le digne successeur de Déodat Rocher. Ouais, donc d'accord, donc on en a encore aujourd'hui. C'est pas Déodat Rocher, c'est pas un événement isolé, quoi. Le fait qu'il ait pris le prétexte d'étudier le catharisme pour en fait promouvoir la pensée de Rudolf Steiner, quoi. Oui, après, voilà, ça attire, comment dire, les gens qui sont un peu new age, qui ont envie d'un peu d'histoire romancée, etc., etc. Ça, on pourrait parler du milieu, comment ça s'appelle, du milieu proche de Déodat Rocher, on pourrait parler de Nelly. Moi, je préférerais, si ça ne te dérange pas, de parler de Fernand Niel, pour terminer, qui a Vas-y. écrit. Je ne sais pas si tu connais Fernand Niel. Le nom me dit quelque chose, mais Daniel, il y en a plein, alors vas-y, je t'écoute. Voilà. Bon, c'est un proche de Déodat Rocher Ouais. aussi, qu'il a connu dans ces fameuses rencontres des Hautes-Corbières. Et il a écrit quand même un document qui s'appelle Albigeois et cathares, qui a été publié par la célèbre collection universitaire Que sais-je? Ouvrage de Ah, référence pour les ouais, universitaires. prestigieux, ouais. Il a publié ça en 1957. Et ce bouquin, c'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Je renvoie d'ailleurs à un article d'Étienne de la Ruelle, qui est paru en 1956, qui est de la région de Carcassonne. Lui, c'est par contre, c'est un historien et un spécialiste de l'histoire médiévale de l'Église, un agrégé d'histoire, un docteur en lettres, professeur à l'Institut catholique de Toulouse et cofondateur du Centre d'études historiques de Fangeot. Donc, c'est quand même une sacrée référence. Et dans l'article qu'il a fait, il conclut ainsi, je vais juste te donner la conclusion, je le cite. Bon, évidemment, il est très violent avec ce livre qui est publié par Que sais-je. Il ne comprend pas pourquoi une collection aussi importante publie ce genre de bêtises. Il finit ainsi: Je m'excuserai d'un aussi long compte-rendu si ce livre n'était pas un symptôme inquiétant. Il a suffi à Carcassonne et Toulouse, je rappelle qu'on est en 1955, il a suffi à Carcassonne et Toulouse d'un petit groupe de néo-cathares dont aucun n'est un professionnel de l'histoire, mais dont les ouvrages sur ce sujet se succèdent régulièrement pour impressionner une clientèle sans esprit critique. Dans cette littérature, des affirmations sans preuve tiennent lieu de démonstrations. On y traite par le mépris, sans d'ailleurs les avoir étudiés, Jean Guiraud ou Belporon, mais on n'a lu ni leurs successeurs, ni les textes qui permettent de juger. On a fini par imposer, même à un public cultivé, l'idée que tous les troubadours étaient albigeois, qu'il y a eu un Graal cathare, que la doctrine des parfaits était une philosophie profonde qui fait place au libre examen, etc., etc. Voilà, je partage complètement ce que cet historien dit. Ouais, bah du coup, bon, bah voilà, on va peut-être pas tarder à conclure, mais c'est vrai que là, ça me pose plein de questions, quoi, parce que c'est un débat qui est actif en ce moment, que j'essaye justement de déverrouiller un peu au sein du mouvement occitaniste, parce que j'ai l'impression que voilà, l'anthroposophie, ils connaissent pas trop, et pour eux, les cahiers de Fangeot, c'est catholique, donc c'est cacaboudin, quoi, parce que Ah les ouais, non. cathares, ils étaient gentils et les catholiques, ils étaient méchants, quoi. Je caricature à peine, mais c'est des trucs qu'on m'a un peu plus ou moins sortis, quoi. Rectificatio après reflexio a questo fraso trifande co che m'a escapat et quem caudise che sunt che duos personos che m'han surtit a queste argumentari et per miei a questos duos personos io solo chero u occitanista desolat si a questo fraso busa offensat. Et en fait, je vois en t'écoutant que déjà dans les années 50, bah, les cahiers de Fangeot, certes, ils étaient liés à l'Église catholique, mais ils étaient
plutôt du côté de l'histoire scientifique, si je comprends bien ce que tu dis, que l'autre revue qui elle était très pseudo-scientifique et liée en fait à l'anthroposophie, donc pas moins orientée religieusement, mais voire même beaucoup plus que les cahiers de Fangeot, quoi. Ce qui est certain, c'est que cet homme-là était un universitaire. Les gens qu'il cite dans ce compte-rendu ne sont pas des catholiques. Ouais. Ce sont des universitaires qui ont fait des recherches dans le domaine cathare, qui déplaisent complètement au milieu cathariste apprécié autour de Déodat Rocher. Et encore une fois, les historiens actuels qui se penchent sur la question se débarrassent complètement de Déodat Rocher. Je vous recommande de lire la page Wikipédia catharisme, le nom de Déodat Rocher n'apparaît même plus. Bah, normal, hein?